Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, on vient d'apprendre que Greta Thunberg n'ira plus à l'école pendant un an pour se consacrer à son activisme sur le climat. Si vous avez vécu dans une grotte cette dernière année et que vous ne savez pas qui est Greta Thunberg, c'est cette adolescente suédoise de 16 ans devenue, en l'espace de quelques semaines, l'icône d'une génération inquiète du dérèglement climatique et de la destruction de la planète. Elle a fait plusieurs discours extrêmement émouvants que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, notamment à la COP24 de décembre 2018 en Pologne ou encore au Parlement européen en avril 2019. Elle a également initié une vague de grèves des collégiens et des lycéens du monde entier, enfin surtout du monde occidental, pour faire pression sur les politiques afin qu'ils paniquent et prennent des mesures drastiques en faveur de l'environnement. I want you to panic. Mais au-delà des discours consensuels et des applaudissements des grandes ce monde, qui continuent de faire leur politique comme avant, nombre de faits étranges posent question dans le parcours de la jeune fille, dans la manière et dans la vitesse à laquelle elle s'est retrouvée catapultée dans ce rôle de Cassandre, qui nous prédit de sommet en sommet qu'on va tous crever si on panique pas. I want you to panic. Alors Greta Thunberg nous aurait-elle été vendue, fabriquée comme un produit marketing à destination de personnes véritablement inquiètes du changement climatique ? Je suis allée voir les commentaires sous des articles parlant de Greta Thunberg, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle pose quand même question à beaucoup de monde. Ce serait trop facile de répondre à ça en disant « Oui, ceux qui critiquent Greta Thunberg, c'est des rageux, insultants, climato-sceptiques », parce que des posts insultants, oui, il y en a, on est sur Internet. Mais j'ai surtout vu des commentaires du type « Pauvre gamine, parents irresponsables qui instrumentalisent une enfant malade », que j'ai lu relever plus du doute qu'autre chose. Et pas tant du doute sur la réalité de la crise environnementale, ni même sur la sincérité de Greta dans son activisme, mais du doute sur la manière dont cette gamine s'est retrouvée, comme par magie, invitée d'un coup à tous les sommets internationaux sur le climat, à faire de beaux discours et à se faire prendre en photo avec les pires ennemis de la planète. Comme il n'y a pas de fumée sans combustion, de CO2, et que clairement beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette icône générationnelle, je me suis penchée sur les faits. Alors, Greta Thunberg, marionnette ou pas marionnette? Revenons au début. Le 20 août 2018, Greta Thunberg sèche les cours et pose devant le Parlement suédois avec une pancarte « Grève des écoliers pour le climat ». C'est la première grève d'une longue série qu'elle poursuivra tous les vendredis après-midi. 4 jours plus tard, sort son livre sur le climat, enfin une autobiographie familiale, sur comment Greta et sa sœur ont changé la vie de la famille avec leur militantisme, en faisant en gros promettre à tout le monde d'arrêter de prendre l'avion et en devenant tous véganes. Cette autobiographie, publiée par la maman de Greta, Malena Ernman, chanteuse lyrique et célébrité en Suède. Je précise que c'est dans ce bouquin que la mère de Greta affirme que sa fille est dotée de capacités exceptionnelles, notamment celle de voir à l'œil nu le dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz responsables de l'effet de serre, et qui, je le rappelle, est un gaz incolore que personne ne peut voir à l'œil nu. Petite parenthèse sur la question, parce que je suis allée quand même voir si c'était vrai ce truc. Libé, via son site de désintox Check News, a affirmé que non, Greta Thunberg n'a jamais dit qu'elle pouvait voir le CO2 à l'œil nu, relayant des posts à la fois de Greta et de sa mère, les deux affirmant qu'il s'agissait d'une métaphore mal interprétée par des gens qui n'ont pas lu le livre. Et comme aucune traduction officielle n'est disponible encore en France, Check News de nous livrer sa version de la traduction qui est la suivante. Elle voit ce qu'on ne veut pas voir. Greta a été diagnostiquée, autiste Asperger, mais cela n'exclut pas qu'elle ait raison et que nous ayons tort, car peu importe ses efforts, l'équation que nous autres avons déjà résolue ne fonctionne pas pour elle. L'équation qui est le ticket pour une vie quotidienne qui fonctionne. Parce qu'elle voit ce que nous ne voulons pas voir. Greta fait partie des rares personnes qui peuvent voir le dioxyde de carbone à l'œil nu. Elle voit les gaz à effet de serre s'échapper de nos cheminées, s'élever dans le ciel avec le vent et transformer l'atmosphère en une gigantesque décharge invisible. Elle est l'enfant, nous sommes l'empereur et nous sommes tout nus. Au-delà de la référence au conte pour enfants Les Habits Neufs de l'Empereur, pardon, mais j'ai du mal à comprendre où est la métaphore là. J'étais vraiment prête à me dire que je m'étais trompée, que j'avais cru ce qui était relayé sur les réseaux sociaux, mais à la lecture de la traduction de Libé, qui a en plus vocation à nous prouver que oui, c'est bien une métaphore, non. Et les traductions en anglais disent la même chose. Donc ça, c'était juste une petite précision en passant. Mais bref, revenons à la grève de Greta pour le climat. Le jour où Greta s'assied pour la première fois devant le Parlement suédois, un homme du nom d'Ingmar Rensog et la société We Don't Have Time, retenez bien le nom, on va en reparler dans 2 petites secondes, publie sur Facebook des photos de la jeune fille. Et dans la foulée, le journal suédois Aftonbladet publie le premier papier d'une longue série d'articles de presse sur la grève climat et Greta Thunberg. We Don't Have Time est une société fondée en 2016 par Ingmar Rensog, mais qui a une réelle activité uniquement depuis 2017. Au mois de mai 2018, Ingmar Rensog est élu président du think tank Global Utmaning, donc Défi Global,
un groupe de réflexion autour de la croissance verte financé par la milliardaire Christina Persson, une économiste, une membre du Parti social-démocrate suédois, ex-ministre de la stratégie, de l'avenir et de la coopération nordique. Juste avant l'élection de Rensog à la tête de ce think tank, le 4 mai 2018, lui et Malena Ernman, la mère de Greta Thunberg, se sont vus à une conférence sur le climat. Les déclarations ultérieures, disant qu'ils n'avaient aucun contact avec Rensog, tombent donc à l'eau, d'autant que le 2 septembre, Ernman, la mère de Greta, écrit un article de débat sur le climat avec, entre autres, Ingmar Rensog et Christina Persson. D'après l'enquête du journaliste suédois Andreas Hendriksson, on en reparlera un petit peu plus tard, je vous mets le lien dans la description, Rensog aurait tout nié, mais dans un fil de discussion sur Facebook, il a ensuite reconnu qu'il avait aidé la boîte avec la question des relations publiques et qu'il avait eu des contacts avec la grève de l'école initiée par Greta sur cette question. À cette époque, Greta Thunberg est, selon le site, jeune conseillère de la fondation qui dirige cette plateforme. D'après Hendriksson, la page Facebook de l'entreprise We Don't Have Time est fascinante. Je suis désolée, il y a plein de trucs en même temps, mais c'est très important. L'analyse des réseaux sociaux de We Don't Have Time par donc le journaliste Andreas Hendriksson, c'est une enquête poussée en fait sur l'entreprise de Rensog, hein, je vous mets vraiment tous les liens en description, montre que la page était à un nombre de likes extrêmement bas, au début en tout cas, avant le phénomène Greta, et avec des publications qui tournaient autour de 20 likes. Pourtant, Rensog revendiquait lui des centaines de milliers de vues. Comme chacun le sait, les vues, ça s'achète. En raison de la croissance du groupe en très peu de temps, de la très faible implication de la communauté sur le site, et de la très forte implication par contre sur les réseaux sociaux, d'après Hendriksson, il est tout à fait probable que le groupe ait entre autres développé un marketing offensif via des publicités sponsorisées sur Facebook. Jusque-là, bon, c'est pas... Il n'y a rien de grave, on va dire. Beaucoup d'entreprises le font. Bref, après cette grosse expansion, le 26 novembre 2018, la société lance un appel à investissement. Le timing est parfait parce que c'est juste après le lancement de Greta Thunberg, après le début de sa grève et après la sortie de son livre, avec donc le premier post sur Greta sur les réseaux sociaux fait par Ingmar Rensog qui lance à ce moment-là un appel à financement. Comme d'habitude, l'hypothèse la plus probable étant sans doute la bonne, il semble vraisemblable que la marque et l'entreprise We Don't Have Time ont explosé grâce à l'exposition de Greta Thunberg, présentée donc au début du mois comme une jeune conseillère de la fondation. Et dans ses actionnaires, donc, les personnes et les Rensog, ces gens à la base, comme le rappelle Isabelle Attard dans son article excellent que je vous invite à lire, pareil je vous mets le lien en description, ce ne sont pas des militants écolos, ce sont des spécialistes de la finance, et de vendre même des bagnoles, enfin très écolo. Via l'analyse des tweets et des publications réseaux sociaux du think tank Global Outmanning, on observe un fort engagement politique à l'aube des élections européennes, à quelques mois des élections européennes, envers une alliance qui irait en gros des sociaux-démocrates, parti dont est membre Christina Persson, jusqu'à, en gros, la droite suédoise, l'ennemi, c'est les nationalistes, les antimondialistes, etc. Je vous la refais pas. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, parce que le 16 janvier 2019, Global Outmanning annonçait sur les réseaux sociaux une collaboration avec Global Shapers, un réseau créé par le Forum économique mondial en 2011, dont les leaders disaient qu'ils voulaient sauver la planète en gardant la croissance économique, en réclamant plus de mondialisation, bref, en changeant strictement rien au système. Parmi toutes ces circonvolutions, on en arrive donc à un stade où on se dit que c'est pas juste un phénomène magique, une gamine toute seule devenant égérie climatique à la force de son activisme, mais bien une histoire de gros sous poussée par des investisseurs qui voient dans la prise de conscience globale sur le dérèglement climatique et sur l'état de la planète un joli petit business bien juteux. Parce que tout s'est en effet enchaîné de manière un peu trop belle. Pour Greta Thunberg, dans la foulée de la publication du livre de sa famille, du début de sa grève pour le climat, un TEDx, une nomination pour le prix Nobel de la paix, un discours à la COP24, un discours au Parlement européen où le parallèle avec Notre-Dame a tiré des larmes à toutes les bonnes consciences écologistes du monde, une présence de Greta à toutes les manifestations des jeunes pour le climat dans toute l'Europe, où elle est allée en train, des rencontres avec tous les gens importants, des présidents, des ministres, le pape Arnold Schwarzenegger, pour qui s'afficher avec une enfant autiste que le dérèglement climatique a rendue dépressive, est une mine d'or en termes de relations publiques. Ça ressemble quand même à un énorme coup de com' pour un réseau mêlant célébrités suédoises, les parents de Greta, start-up, We Don't Have Time, agenda politique, mondialiste, groupe de réflexion initié par les personnes les plus influentes du monde, les Global Shapers du Forum économique mondial,
et think tank Global Hood Manning, tous ces gens désireux de se faire connaître et potentiellement de gagner un peu d'argent. Suite aux nombreuses accusations de manipulation, pour être tout à fait honnête, quand on commence un petit peu à mettre le nez dedans et tous les faits en relation, c'est plus juste que le doute est permis, c'est qu'il est nécessaire. Greta Thunberg a publié un démenti sur sa page Facebook. Elle y explique notamment que c'est son initiative propre, personnelle, qu'elle n'a reçu aucun argent pour son combat et qu'elle n'est manipulée par rien ni par personne. Mais à partir du moment où il s'agit d'une enfant de 16 ans, qui est sans doute très sincère dans son engagement, il ne s'agit pas de le nier, mais qui implique des sommes d'argent énormes, des campagnes de financement et de publicité d'associations et de businessmen, des parents dans le milieu du showbiz qui traitent avec eux, un agenda politique progressiste et mondialiste, et des dirigeants qui s'arrachent la présence de Greta à leur côté pour donner des gages aux jeunes générations, peut-on vraiment dire que Greta, si elle n'a pas forcément été manipulée pour lancer sa grève, n'est pas instrumentalisée? On en arrive à un point où il y a une gamine qui dit aux dirigeants du monde « Mais faites votre boulot, putain !» Et les mecs sont là et disent « Ouais, grave, cette gamine, elle envoie du lourd! Prenons un selfie avec elle! Utilisons-la pour nous donner une image verte et continuons surtout de ne rien changer. » Après tout, l'image est plus importante que les actes dans la tête de ceux qui voient l'écologie aujourd'hui comme une source de profit et de bonne presse plutôt que comme un enjeu réel. Alors quitte à fabriquer un produit, bah autant utiliser une gamine sincère dans sa démarche et lui faire perdre le contrôle sur son action. Parce que, quoi qu'elle en dise, son action, ses prises de parole, ont quand même l'air d'être bien maîtrisées, et par sa mère notamment. Quand Marc Rézinger, journaliste à Causeur, a tenté d'interviewer Greta Thunberg, ça a été apparent. Cette vidéo qu'il a filmée à Stockholm où il est allé la rencontrer montre une Greta fermée qui refuse de répondre aux questions sur le climat, et dès lors qu'elle enlève son bonnet, comme un signal, sa mère apparaît pour l'emmener et dire non, elle a des choses à faire ailleurs. Et en fait, elle se retrouve juste quelques dizaines de mètres plus loin, elle est pas du tout partie. Alors on peut être d'accord ou pas avec la ligne de Causeur, avec les interprétations ou quoi que ce soit, c'est pareil qu'avec Hendrickson ou avec Isabelle Attard, mais ce que montre cette vidéo, c'est surtout que Greta Thunberg est tout sauf libre dans son engagement. Attention, cette vidéo en soi n'est pas une preuve, c'est juste un fait de plus à croiser avec tout le reste, qui commence quand même à peser lourd. Il y a quelques jours donc, Greta a annoncé quitter l'école pendant un an pour se consacrer à son activisme pour le climat. Comme ça, elle pourra aller parler aux Nations Unies à New York, puis se rendre à Santiago du Chili pour la conférence climat, et comme elle veut pas y aller en avion, bah forcément ça va prendre du temps, donc elle arrête l'école pendant un an. Bien sûr que la décision lui appartient, mais justement, lui appartient-elle vraiment? Ou est-elle devenue un pantin qui récite des discours en donnant bonne conscience à tous les responsables de la destruction de la planète? Le problème avec Greta Thunberg, c'est que critiquer ou juste poser une question revient à attaquer une ado autiste qui a survécu à une dépression. Tu passes pour un connard. Et c'est ce qu'on te balance à la figure quand tu émets des doutes, que tu es un adulte cynique et que tu t'acharnes sur une enfant handicapée et dépressive qui fait tout ce qu'elle peut pour sauver le monde. Alors je me pose la question de savoir qui est le plus cynique dans l'affaire. Est-ce que c'est ceux qui disent qu'il y a quelque chose mais ils savent pas trop quoi qui les dérange dans la surmédiatisation de Greta Thunberg? Ou est-ce que c'est les dirigeants milliardaires, des think tanks et des ONG qui ont connu un essor immense et des rentrées d'argent très importantes grâce à Greta? Ou est-ce que c'est les parents qui jouent à ce jeu-là en mettant bien en avant la dépression et l'autisme de leur fille? Ou est-ce que c'est les responsables politiques qui se flattent d'une petite photo avec l'égérie climat pendant qu'ils subventionnent le trafic aérien au détriment des moyens de transport plus propres tels que le train? Où est le cynisme? Alors oui, il y a une crise climatique qui est réelle, qui est sérieuse, je suis même très contente qu'on soit nombreux à s'en rendre compte, mais les responsables de la destruction de la planète, ceux qui ne remettent certainement pas en cause le système qui a mené à cette destruction de la planète, eux savent aussi qu'on s'en rend compte. Parce que si en termes d'impact sur la psyché collective mondiale, la menace du dérèglement climatique et de ses conséquences pourrait être comparable à la menace de l'annihilation nucléaire de l'humanité dans les années 60, on a besoin d'être calme pour y faire face, contrairement à ce que dit Greta Thunberg. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Elle qui veut que tout le monde panique et qui voudrait que tout le monde voit le monde comme elle le voit, négativement. Si la seule réaction qu'on peut avoir face à une crise, c'est hurler et se mettre à courir en paniquant, on va pas résoudre la crise. Donc dans n'importe quelle situation de crise, la panique est toujours mauvaise conseillère. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la personne de Greta Thunberg, utiliser ce prisme dépressif et apocalyptique adolescent ne peut que contribuer à aggraver le problème, parce que cela interfère sur notre capacité de jugement. Pour résoudre, on a besoin de recherche la plus objective possible. On a besoin de faits, pas d'idéologie. On a besoin de penser comment survivre et pas de réagir émotionnellement.
On a besoin de la science, tout simplement, et pas de dépression collective. Alors rassurez-vous, nos dirigeants actuels ne feront rien de tout cela. Ils continueront d'applaudir les jeunes engagés, ils auront la larme à l'œil quand on parlera de la sixième extinction de masse qui est en train de se passer sous nos yeux, des plastiques dans les océans et du dérèglement climatique. Ils nous encourageront à changer nos modes de consommation, à devenir vegan et à arrêter de prendre l'avion, même s'ils le rendent moins cher que le train, comme Greta. Les Stromboli de tout poil feront un spectacle profitable de ceux qui désespèrent de voir le monde changer avec la passion de la jeunesse. Ils continueront de se préoccuper plus de leur image eco-friendly que de faire leur travail, jusqu'à ce que Greta ne leur rapporte plus rien, et là, Grand Coquin et Gédéon leur trouveront un autre petit Pinocchio, qui lui aussi aura la volonté sincère de devenir un vrai humain, et sur le dos de qui ils pourront se faire du blé. Je suis un affranchi. Voilà, j'ai essayé de compiler de la manière la plus complète possible tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. Je vous encourage donc à lire l'article très intéressant d'Isabelle Attard, qui pour le coup connaît bien la Suède et qu'on ne peut pas accuser d'être climato-sceptique ou pas concernée par l'environnement. Pour cause, elle a été députée Europe Écologie et elle prend la question très au sérieux depuis un certain temps. Je vous recommande aussi l'article d'Andreas Hendriksson sur l'entreprise de Renzog. Il est en suédois, mais il y a plein d'outils de traduction en ligne que vous pouvez utiliser. Et la vidéo de Marc Rézinger de Causeur. Tous les liens sont en description, bien sûr. Je vous encourage aussi à vous faire votre propre opinion, à faire la différence entre les gens insultants et ceux qui posent des questions parce qu'il leur semble que quelque chose cloche avec le phénomène Greta Thunberg. Je vous encourage en fait à ne pas être dupe des intérêts, des gros intérêts qui sont en jeu en ce moment sur la question de l'écologie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sur le plan environnemental. En bref, je vous encourage, comme d'habitude, à faire preuve d'esprit critique et à interroger comment la jeunesse est utilisée pour faire passer l'alarmisme et le négativisme avant les faits, et en fin de compte, avant l'espoir que les choses puissent changer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci tout particulier à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous.